Parmi le bon mauvais gouverneur de l'histoire de l'île de la Réunion, Nena Monsieur Henri Abert Vaublon a été le top. Les débarques, l'eau débarque à Déa Saint-Paul le 5 décembre 1689. Il n'a pas encore posé son patte sur le sable sur la plage la baie Saint-Paul. Que toute bonne colon, il vient raconter à lui tout bon problème que Bananena et tout problème Nena pour régler. Et quoi il fait? Il programme un l'asmisti général. L'amnistie. En gros, il y a à remettre tout le bon compteur à zéro. Il y a nil tout, il coupe tout, fini tout. Remettre tout à zéro. Quand il installe à l'île dans la maison du gouverneur, il commence à dépoussiérer tout dossier le prédécesseur. Lisa garde le foncier. Lisa régularise le bon propriété. Refait le bon acte de propriété en bonne et due forme. Avec l'aide d'un OT1. Libez une mise à jour Android l'iOS 1689. Voilà. Il envoie toute maman et fait alphabétise azote avec le PIR7. Il réglemente l'usage le chien pour pas qu'il prolifère partout. En même temps, jusqu'à aujourd'hui, avec toute bonne chien errant, toute bonne chien divagant, ben, on a le même problème. Il calme la chasse abusive de la bonne tortue. Ben là, on dit, c'est un bon gouverneur, ça t'es. C'est un bon monde, ça. Comment là? Ça t'es au début, ça. Le temps, il fait son place. Ouais, quand son place, t'es bon là. Là, le vrai visage a débarqué. Ce matin, le bon bourbonnais de la Réunion, il arrive l'église. Si la porte l'église, ben il y a l'ordonnance placardée sur la porte. En même temps, si c'est sur la porte l'église, il ne peut pas placarder. Il est sur la porte, le papier est sur la porte. Et dessus, il écrit interdiction de s'absenter de son domicile plus de 15 jours sans son autorisation. Et là, là, c'est que le début. Ou veut gagner la nationalité française? Ben, il suffit ou d'allier un bon monnaie et hop, ou devient français. Un colon, il fait business avec bonne pirate, lui envoie la milice, son case, ou dévide tout. Dévide la case, la somme, salle de bain, frigidaire. Non, vous n'avez pas un frigidaire, ça, non? Oui, il dévide tout, t'as dit, oui, il dévide tout. Un colon, Abraham Brocus, il rote sa maille avec lui. Il envoie le boug à la prison et il demande son famille un rançon pour libérer le boug. Il te rôde toute manière pour soutenir l'argent le bon colon. Le famille la donne vos boulons, 30 livres, 8 dindons, 3 porcs, 3 cochons, 100 kilos de riz, l'eau qui... Eh pardon, non. Le collier sur madame pour gagner libéré. Quand Jean Grand y vend son case, vos boulons y débarquent, il demande à lui la totalité l'argent de transaction. Pourquoi? Parce que la pas demande à lui son autorisation pour vendre son case. Lorsque madame t'es pris à lui, l'itéro des manières pour que le mari n'avait rien à faire pour faire un autre côté. Comme ça, grut, l'itéro dans la case, l'itéro abuse le femme. Un jour, Yarod abuse le femme, le chef médecin en chef du médecin en chef, Jean Royer. Ah ben là. Là, les baisers, là, t'es aussi là. Là, t'es pibou du tout, là. Le bon colon a révolté un coup. Le père Hyacinthe, ensemble, bana monte un guet-apens dans l'église. L'attrape vos boulons par surprise. L'envoyer en prison direct. Ouais, l'envoyer en prison direct. Vos boulons en prison. Même pas des mois, hein, juste des mois. Dans le bon texte, il dit où? Vos boulons, au bout de 2 mois, il est mort de la grippe. Ouais, dans le bon texte, il dit, oh, oui, vos boulons, les morts de la grippe. Oui, vos boulons, les morts de la grippe. De la grippe, oui. Et ça, c'était le 18 août 1692. Juste 3 ans qu'après, il y a mettre son doigt de pied dans le sable Saint-Paul. Eh ouais. Si vous voulez me raconter un autre, mettez en commentaire. Néon.